Et bonjour à tous, chers galaxiens, chères galaxiennes, comment allez-vous? On se retrouve pour l'épisode numéro 7 du Let's Play sur Uncharted Drake's Fortune. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate et regardez-moi cet environnement vraiment magnifique. Allez, on est parti et on s'était arrêté ici, les amis, où justement on avait eu affaire à une scène particulièrement difficile. Oh que oui, on a eu des sueurs froides, mais bon, heureusement, on a réussi assez aisément au bout de 5-6, j'ai envie de dire, essais. Ce qui est quand même plutôt élevé, je vous l'accorde. Allez, c'est parti, on va prendre le petit Uzi, le pistolet mitrailleur, et on est reparti. Attention, toujours dans des gunfights, des actions, et oula, on s'en va, ça commence bien. Elena qui fonce dans le tas, et moi qui recule. Bon, il y a une différence de courage, il faut l'avouer. Allez, donc attention, alors le pire, c'est qu'elle me pique ma place. C'est ça en fait le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est que je ne peux pas aller me mettre ailleurs. Ça m'a pas aidé ça. Ça m'a pas aidé du tout. Attendez, on s'en va. Ça commence bien. Ah ouais. Puis en même temps, on approche de plus en plus de. On va dire du dénouement. Plus on approche de la fin du jeu et plus. On est quand même loin. Je dis pas que c'est maintenant, on est loin. Mais voilà, c'est vrai que les amis. Ça commence à être chaud, clairement. Alors, je vais pas prendre le sniper, quoi, attendez. Pour ceux qui sont... Ah non, on peut pas. Attendez, si, regardez, hop, si je vise comme ça. Y'a personne dans les escaliers, dommage. Regardez, je vais vous viser, les gars. Attendez, si je... Qu'est-ce qu'il y a ici? La tête. Et la tête, headshot. Elena, baisse-toi. Énorme. J'adore. Allez, on reprend. C'est reparti. Ah, laisse-moi ma place, s'il te plaît. Yat! Attends, vite, dégage, Elena, tu me gênes! Vache! C'est chaud! Alors, faudrait que je trouve deux nouvelles armes, si possible. Changer les armes parce que ça va être dur. Ok, c'est bon, donc on a eu ceux qui étaient ici, mais vraiment, hein, chaque parcelle du jeu, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur. C'est pas normal. Ah, attends, on va prendre ça. Parce que le sniper, dans tous les cas, bon, c'est pas que je vais pas m'en servir, mais c'est que véritablement, c'est très très long pour viser, etc. Bah, Elena, tu te sors maintenant! Ok? Donc, elle est relou. Bah écoutez, non, je vais garder le M79. La K47, ce qu'il y a, c'est que. Il est un peu chiant, en fait. Voilà, tout simplement, il est chiant. Parce que il est super long. Enfin, il a un mauvais recul. Voilà, il est super long. Ça, c'est pour le snipe. Mais vraiment, celui-là, il a un recul de chiottes. Donc, c'est pour ça. Alors, il y a un pont. Attendez, on va voir s'il y a quelque chose ici. Non. Alors, avant d'avancer, les amis, parce qu'on ne trace pas, vous me connaissez. Moi, je ne trace jamais dans mes let's play. Je veux voir s'il y a quelque chose d'intéressant à récupérer, si possible. Même si, comme je le dis depuis le début, je ne cherche pas les trésors. Il y en a un ici. Pièce d'or espagnole. Voilà, on est déjà à 17 sur 60. Ce qui est plutôt beaucoup, hein, par rapport au fait que l'on ne les cherche pas du tout. Voilà, mais si je peux les prendre, si je les vois, écoutez, dans des petits coins, je les trouve, je les prends. Voilà. Simplement. Hein. Alors, oula, je sens pas la scène du pont, ça me rappelle un petit peu Indiana Jones. Je sens pas du tout, en plus on ne peut pas courir. Voilà, je sens bien le truc un peu... Comment un truc pareil a pu arriver? Tu vois ces traces? Mmh. Apparemment quelqu'un a mis assez de poudre à canon ici pour tout faire sauter. Oh. Fais attention, certaines de ces planches sont carrément pourries. Tu la lâches! Et merde! Fais chier! Tout va bien. Allez. Ça va. Eh oui, tu n'as plus de caméra. Mon dieu, que c'est grave. Je me suis rendu compte que j'avais pas baissé le son du jeu après l'intro. Donc à mon avis, vous avez pas dû bien m'entendre pendant une petite partie du jeu, je pense. Allez, on continue. Donc je viens de baisser le son, vous en faites pas, vous m'entendrez dorénavant pendant les 50 prochaines minutes. Alors, on va en face, écoutez. On continue. Et apparemment, la caméra est tombée. On l'a pas vu se casser. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait exprès? Peut-être. Ça veut dire qu'il y a peut-être encore une chance de la récupérer. Donc, pour l'instant, elle est pas cassée. Tant mieux, bon. Ça peut lui faire plaisir, quoi. Alors, on est où, là, au juste? Ouais. Alors, peut-être qu'il faut aller la chercher, justement. Allez, allons voir s'il y a quelque chose ici. Un petit trésor, encore. Voilà, je me disais. Calice espagnol en argent.
Voilà. Mine de rien, je trouve qu'il y a pas mal de trésors dans le jeu, vu que bon, en lui-même, c'est pas un jeu qui est très très long. Donc forcément, voilà, les trésors sont un petit peu compactés un peu partout. Mais alors, je ne sais pas ce qu'il y avait à faire ici, en fait. Bah, c'est la question que je me pose. À quoi bon aller ici, les amis? À quoi bon? Alors, bah, c'est un petit peu un labyrinthe, là. Ok, il fallait là. Vu la caméra, il faut aller ici. Qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose, pas grand-chose. Surtout ne pas tomber, à mon avis. Surtout ne pas tomber, à mon avis. Ok. Alors, on fait le tour. Ah, il y a quelque chose là, non? Yeah, alors là, attention, je me méfie. Il fait tout noir. Je vous jure, il fait tout noir, ça fait peur. Vous voyez quelque chose, vous? Ah ouais. Oh. Attention. Voilà, on l'a eu. On va rester le plus loin possible. Ok. Vas-y, tire-lui dessus, ma grande. Tire-lui dessus. Ça pourra peut-être lui faire les pieds. Non, c'est bon? Ok. Il me reste plus beaucoup de munitions, en fait. Un magnum. Avec plaisir. Ah oui. Moi, les magnums, je les prends. Hein. Et toutes sortes de magnums. Allez, un petit trésor encore. Quoi en or? Ah bah, dis donc, c'est qu'on récupère pas mal de trésors dans cet épisode. C'est sympa, en tout cas. Ok. Je prends mon temps pour viser. Mieux vaut prendre son temps et que ça atteigne sa cible, je pense. Allez, on va rester comme ça, c'est pas mal. Ouh là là, je le sens pas trop ici. Pardon, en fait, j'ai vu une tête qui dépassait, je me suis dit, tiens, un être vivant, on va lui tirer dessus, non! Non, je l'ai loupé en plus. Attendez. T'es mort, mais bien sûr, je suis mort. C'est ça. Oh non, c'est Elena. Là, toi je t'ai explosé. Allez, on reprend la K. Parfait. Ah, je crois que c'est le bateau, non? Qu'est-ce que tu faisais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Voyons, c'est pas bien de tirer sur une femme. T'es pas très courageux. Allez, chapitre 12, en remontant la rivière. Ouais, donc je vais pas reprendre ça parce que j'aime pas trop cette arme. Elle est pas mal, par exemple s'il y a un groupe d'ennemis donc qui est regroupé du coup, hop. Mais clairement pour un ou deux ennemis ça vaut pas le coup. Cette rivière devrait nous mener au monastère. Ok, je reprends les mumunes. Les chapitres passent plus vite qu'au début du jeu. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors peut-être que je vais un petit peu plus vite aussi, peut-être que j'ai pris le coup de main avec le jeu. C'est un peu possible. Ah, attendez, c'est pas là la fameuse scène où justement avec le jet ski qu'on m'a dit que c'était chaud. Il me semble. Allez, on y va. Voilà, les textures du jet ski, c'est pas très beau, hein. Ok, alors attention, voyons voir. Si, il me semble que c'est ça. Fallait remonter la rivière, non? Fallait la remonter ou fallait la descendre? Il me semble qu'il fallait la remonter, les amis. Non, fallait la descendre. Non, faut la remonter. Il me semble qu'ils ont dit de la remonter. Attendez, il n'y a pas select pour avoir les affichages. Donc on peut shooter, encore une fois. Oh là 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 là, risque de se ronger les sangs, là. Je vais passer à gauche, plutôt. Oh là là, mon dieu! Ah ouais, c'est chaud pour remonter à la rivière. Oh là là, faut avoir le bon timing, je pense. Mais on peut la remonter, en tout cas. Ça, c'est bon à savoir. Heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est un petit peu le but. Oh là là, vous êtes sûr qu'on peut la remonter? Ouais, on peut. Nickel. À ce qui paraît, c'est cette scène-là qui était alors soit buggée, soit... Oh mon dieu! Soit très compliqué. Vas-y, explosez. Allez hop, j'en profite parce que c'est pas mes munitions, c'est les munitions de machin. À ce qui paraît, c'est une scène super compliquée, super dure. À ce qu'il y a, c'est qu'il faut en même temps s'occuper des barils et s'occuper d'avancer. Donc forcément, c'est pas évident, faut avoir les doigts et les yeux partout, les amis. Ouais, c'est vrai que... J'avoue que... Ah putain, non! En plus, vu qu'on a qu'un tout petit pistolet, c'est un... Un truc de marteau, quoi! Ok, je vois... Oh putain, il y avait un baril derrière! What? Attendez, oulala... Remonte... Non, mais j'y crois pas.
Reste sur le côté. Au pire, on passe à côté des barils. Voilà, à côté des barils. Et là, wow, comment on sait qu'il va y avoir ce baril? Sérieux. Voilà, et comment, ouais. Comment se douter clairement qu'il allait avoir un baril ici? What the fuck. Allez, remonte. Nickel, je suis remonté. Ah, baril. Voilà. Alors, pour l'instant ça va, on remonte tranquille. C'est quand même what the fuck, hein, le truc avec les barils. Non. C'est quand même pas évident. Et je suppose que c'est que le début. Je suppose que ce n'est que le début. Allez, monte. Attention. Essayons de bien viser quand même. Hein. Essayons de bien viser parce que là, je perds un petit peu de temps à chaque fois quand même. Bon, il n'y a pas de baril là. Ok. Parfait. Ça va, c'est cool. Bon, je sais pas si c'est plus dur après, mais pour l'instant, ça peut le faire. Oh non. Alors, on s'en va. Non, je vais mourir. Non, ouais, j'ai mal calculé, j'aurais dû tuer vite fait les... Pourquoi elle tenait son pied? Pas compris. Non, mais d'accord, ouais, fallait bien calculer le fait de tuer les deux ennemis, au pire de rester un tout petit peu planqué. Je le vois, non. Moi, j'aime bien cette petite scène. Ça me frustre pas du tout. Et vous, faut juste avoir un petit peu les yeux partout. Ah ouais, mais là, c'est même plus les yeux. J'ai encore crevé, là. Même plus les yeux partout, là, c'est... Attendez, on se calme, on va pas tout redescendre. Ouais, mais là c'est chaud, voilà, quand on met des ennemis avec. Encore, attendez, là maintenant il y a quand même trois facteurs. Les tonneaux, ne pas se laisser redescendre. Parce qu'on peut pas accélérer en même temps que l'on vise. Donc là, oui, il y a un petit problème niveau gameplay, la mécanique n'est pas très bonne. C'est dommage parce que sinon le concept était plutôt sympa. Voilà, j'en ai eu un. On avance un petit peu. On avance tout doucement, les mecs. Hein. Voilà. Voilà, on se met contre le mur. Voilà, c'est une stratégie, c'est de rester tout le temps en arrière. Alors, je parle pas trop parce qu'il me faut de la concentration, un minimum. Juste, par contre, ouais, faut se retourner du coup. Non, je veux pas tout redescendre, moi, les... Moi les gars, je veux pas tout descendre, je veux juste tuer les mecs qu'il y a là-bas. C'est tout ce que je veux. Putain, hey, ils sont... Ah ouais, il y en a 2-3, je sais pas combien il y en a là-bas. Et s'il en reste un, vous êtes mort, hein. C'est ça le pire. Parce qu'en fait, si en reste un, c'est fini. C'est ça le plus dur. Il y avait rien là? Non. Je me demande des fois s'ils peuvent pas nous mettre des secrets, ici et là. Dommage qu'on ait pas une autre arme aussi, ou alors même le lance-grenade qu'on avait tout à l'heure. C'est pas mal. Hop, fait péter. Ah, on aurait peut-être pu faire péter le baril, non? Je sais pas. On aurait pu. Ok. Ah, d'accord, faut continuer ici. Je vois. Je sens pas trop. Voilà, je sentais pas trop la suite. Vous voyez, je me disais aussi. Ah ouais, baril, il y a des barils. Voilà, nickel. Fallait juste faire exploser. Je me disais aussi. Ça me paraissait bien dur. Allez, parfait. Attention. Ah, il y a un camion là-haut. Voilà, on a fait exploser. Il m'a même pas vu que je l'ai fait exploser. Je l'ai fait déjà. Quel baril? Non! Heureusement qu'on peut mitrailler autant qu'on veut, hein. Parce que franchement, ce serait chaud. Ok, donc on l'a remonté. Ça, c'est cool. On peut pas s'arrêter ici. Bah non, à quoi bon s'arrêter? Ouais, mais c'est vrai que c'est super joli. Ah, il y a eu un petit ralentissement, ça arrive. On pourrait récupérer des munitions, mais vu que pour l'instant, ça ne nous sert à rien. Allez, on continue. Alors, mine de rien, la remontée est longue, hein. C'est quand même super long, hein. Oula, il y a plus de courant, là. Oh la vache. Il y a plus de courant ici. Ouais. Ah d'accord. Non, mais c'est pas possible, ça s'arrête là, non.
On peut pas remonter le courant ici. Vous êtes sérieux? Wow. Oh nom de Dieu. Ah, vaut mieux remonter le courant à gauche, là, ici. Ah, je sens que ça va être là que ça va commencer à me faire rager. Je sens que ça va être là. Vas-y, remonte. C'est what the fuck. Oh, ya. Wow. Oh, la vache. Je sens que j'aurais été sur émulateur. Ouais. Oh là, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Voilà. Ah, heureusement, on tire sur un, ça fait exploser les trois. Heureusement, parce que sinon, j'aurais dit... What the fuck. Il est passé où, lui? Le tonneau transparent. Ah! Mon Dieu. C'est pas possible. Ah, c'est bon, on y est, avance. Ouais, ça va. Heureusement qu'ils auraient pu être encore plus... salauds. Ils auraient pu être encore plus salauds, c'est-à-dire de nous mettre des sortes de... Mais là, ouais, mais ça aurait été hardcore, par contre. Attention. Il y a quelqu'un, non, je crois. Ouais, oh là là, mon Dieu, ils nous ont mis quelqu'un. Pff, avec les tonneaux, la combinaison des tonneaux du mec. Oh my God. Comment le tuer? What? Oh, comment tu vas le tuer, le mec? J'y crois pas, je suis deg. Ah, j'ai pas compris, là. Comment on allait le bousiller, le mec? On va avancer, au pire, les amis. Ah, il est pas mort. Ok, on avance. Top. Encore avancer. Il est où? Il est mort. Je vois plus. Ok. On avance. Ah, c'est plutôt original, mine de rien, comme truc. C'est original, ouais, j'aime bien. C'est original, c'est pas évident. Mais c'est original. Faut un petit peu avoir les yeux partout. Ah, d'accord, je le vois, il est là. Ouais. Oh, putain. Je l'ai eu. Ok, par contre, ça m'a pété les oreilles, là. Je vois plus rien. Vas-y, monte. Oh, le courant, quoi. Non. Voilà, d'accord, je vois. Oh là là, mon dieu. Il y a des ennemis partout en plus, hein. Oh là, ils ont osé. Ils ont osé faire ça. Non, attention! Oh la vache! Attendez, oula, il y a un tonneau là aussi, je l'avais pas vu. Ah, mais c'est chaud! Ouais, la mécanique est mal faite parce que tu devrais pouvoir accélérer en tirant. De nos jours, paraît que ça se fait, et c'est là qu'on voit justement que c'est un jeu de 2007. Dommage. Ah, y'a un putain de courant. Meurs. Il y en a déjà un. Attention, en haut. Ouais, je l'ai vu, je l'ai ciblé. Voilà. Casse-toi la tronche. Pour l'instant, tout va bien, les amis. On y arrive. Ça va. Oula, enfin, ça va. Il est où? Ah, j'ai pas vu. D'accord, tu tires une balle, il tombe. Nickel. Là, c'est plus réaliste quand même. Ok, c'est bon. Il y en a un là. En plus, je crois que c'est un explosif. En plus de ça. C'est bon, il est mort, je l'ai eu. Parfait. Ok, ça va. C'est cool. J'avance un petit peu à reculons. C'est le cas de le dire. Parce que c'est pas évident. Je pense qu'on est bientôt à la fin, là. À mon avis, on doit être vraiment sur la fin, parce qu'on a tout remonté, quoi. On a vraiment tout remonté. Mais attendez, elle est encore longue, sérieux. Ah non, oh là là, le courant. C'est vachement long, quand même, de tout remonter. Oh là là. Non, je pense que c'est fini, là. Je pense que ça doit être fini, mais c'était... C'était sympa. Bon, elle aurait pu être plus courte, je trouve. Là, c'est... C'est quoi, ça? On dirait de la... Ah, on dirait de la neige. De la bouse, un peu. C'est marrant, c'est moche. Ah, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a pas l'air. Ah bah si je vais sur les rochers, ça va pas le faire. Ok. Là, c'est bon, on est où? Où étons-nous? Allez, on va se mettre là. Ok. Ah, oh, enfin. Wouh, c'est fini. Bah, dis donc, scène, elle est un tout petit peu longue. Ouais. Sinon, c'était original. Okay. Chapitre 13. Sanctuaire. Alors du coup, on avait AK-47. Revenons à nos moutons. Et un magnum. Ok. Mais de rien, on a bien traversé. On n'a pas eu de soucis, on n'est pas mort.
Si, non, peut-être une fois, je sais plus. Peut-être que je suis mort une fois, c'est possible. Je me gratte, excusez-moi. Le mec, il se gratte en direct. Alors. Alors, un arbre. Oui, un arbre, et alors? Et c'est tout, à part l'arbre, on a quoi? Ah, d'accord. Faut défoncer. Non! J'y crois pas. Mon dieu. Attendez. Non mais pff, qu'est-ce que je fais? Je tire n'importe où. Voilà. Je leur ai shooté tous les deux dedans. Ah, j'ai vu de l'eau qui bougeait. À mon avis, c'est des gens qui sortent de l'eau. Les gens de la rivière. Oh merde. Ok. Attendez. J'ai fait exploser tout seul. Ah ouais, du coup, je pense qu'il voulait me lancer des amis une grenade. Et puis, il s'est foutu dedans tout seul. C'était beau, ça. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on prend le 9mm. Mais mon précieux. J'adore faire Gollum, je sais pas pourquoi. Ça m'a traumatisé, ce truc. Alors. Ok, mais j'ai l'impression que ouais, le pistolet, il est surpuissant depuis le début du jeu, en fait. C'est ça qui est drôle. J'ai l'impression qu'il est surpuissant depuis le début. Bon, oh, attention, là, on devrait se méfier, quand même. Ah, regardez-moi ça. Intéressant. Yeah. Vas-y, casse. Parfait. Intéressant, intéressant. Je ne suis jamais arrivé là. La première fois que j'avais fait le jeu, j'ai jamais terminé le jeu, hein, pour ceux qui se posaient la question. Donc ici, ça fait un petit moment que tout ce qu'on visite, ça fait 2 épisodes, que tout ce qu'on visite, je ne connais pas du tout. Voyez-vous, donc si je connais pas, c'est je connais pas et je suis planté. Hein, et c'est-à-dire que je sais pas où aller, quoi, après. C'est purement instinctif. Ok, on arrive. Ralenti, tu veux? Un des hommes dédiés pourrait nous attendre. Allez, ces clowns ont disparu depuis un bout de temps maintenant. Oh, oh mon dieu! C'est dégoûtant! Oh, si seulement j'avais ma caméra. Ça veut dire quoi? Que les Espagnols ont posé des pièges sur l'île pour protéger leur or? C'est pas l'œuvre des Espagnols. Regarde les pics de plus près. Bon sang, mais je rêve! Ça vient de notre avion. Attends, ça n'a aucun sens ce truc. Pourquoi est-ce que quelqu'un poserait des pièges alors que ses propres hommes sont sur l'île? Justement. Quelque chose est venu depuis la pause. Quelque chose ou quelqu'un? Attends, tu penses Chut. Que... T'entends ça? J'entends quoi? Rien. Absolument rien. On nous observe. Observe? Bon, tu sais quoi, c'est sûrement rien. Faut juste partir avant de tomber sur ce qui a réduit ce type en charpie. Ok. Et ça n'augure rien de bon, mon cher Nathan. Mon dieu. Allez, on monte du coup. On monte, on monte, on monte, on monte le plus vite possible et... À mon avis... Je vois déjà un mec, hein. Je vois déjà un mec, c'est génial. Les voilà! Ah mais ah, d'accord, fallait pas que je le cible en fait. Fallait juste pas que je le cible. Reste bloqué. Ils ont des viseurs infrarouges. What? Ok. Apparemment, fallait donc faire des trucs bizarres pour échapper au laser. Il y avait un truc ici. On est chaud là, on est chaud. Vous êtes où les mecs? Je vous attends. Il est là. Reste bloqué. Ils ont des viseurs infrarouges. Des viseurs laser? Ah ouais. Je vois... Oh non. Oh putain. Attention. On se met à couvert. Wow, wow, non, 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 non. Mais putain. Mais je me suis complètement foutu dedans. Je me suis complètement foutu dedans. C'est pas évident, hein. Mais on a une vie vraiment super faible, les amis. Je reconfirme encore une fois. Par contre, eux... Eux, ils ont une grosse vie, hein. Eux, je vous assure que leur vie, elle est bonne, hein. Elle est bonne, 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 hein. Allez, venez. Mais arrête de te tenir le pied, là. Mais putain, il est pas mort. Bon, franchement, tu te demandes s'il faut leur faire pour qu'ils meurent, quoi. Incroyable. Merde, regardez. Je leur balance 50 balles, ils sont pas morts. Énorme. Oh putain.
c'est pas vrai. Oh, c'est quoi ces armes de fou qu'ils ont? Allez, Elena, tue-les tous! J'ai confiance en toi, pendant que je revis. Attention. Voilà. Oh, quel enfoiré. Voilà, Elena, fais gaffe, voyons. C'est quoi ça? Yeah, attendez, ça, c'est un autre. Ah ouais, c'est un autre pistolet, il est plus puissant. Putain, bah c'est sûr, si je bousille les balles comme ça. Voilà, ok, apparemment il est plus puissant. Peut-être un mix entre les deux, je sais pas. Non, attention. Ouais, il est plus puissant. Voilà, bon, je pense qu'on le mitraille dans tous les côtés, mais putain, il a fallu au moins 6 balles à lui. Encore une fois, il leur faut je ne sais pas combien de balles. C'est ouf, c'est super ouf. Ah, un M4. La classe. Ça, c'est la classe. Je préfère. Alors, récupère le Mumun. Voilà, je récupère un petit peu de Mumun, le pistolet. Là, on est bien. Voilà, un M4, un pistolet et des grenades. Là, on est tranquille. Au moins pour un petit moment. Hop, Desert 5. What? Oula, à mon avis, ça doit être puissant celui-là. Donc, on voit de nouvelles armes depuis au moins 2-3 épisodes. C'est vrai que ça fait plaisir. Un M4, on a vu un sniper, dragon, il me semble. Donc, ce désert, voilà, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, mais on va où après? Ah, on monte. Ok, on a le M4. On est bien armé jusqu'aux dents. J'ai peur, mais on est armé. C'est déjà bien. Allez. Que va-t-on découvrir par la suite de l'aventure, les amis? Je t'écoute. Je veux que la bibliothèque soit sécurisée. Les laissez pas approcher Sullivan. Bien reçu. Ils ont laissé le vieux dans la partie est du complexe. Je me demande bien ce qu'il fout avec eux. Ce salopard a aucune parole. Donc, il serait avec nous. Ça veut dire ça. Oh non. Attendez. Oh non. Oh non, mais... J'ai bousillé toutes mes balles de mon flingue. C'était énorme. J'ai pas compris. Attention. Oh bah génial. Merci Bob. C'est très gentil. Wow. Allez, on s'enjaille. Vite. Je vais finir quand même mes balles. Je vais voir en fait comment... Elle est où la grenade? Elle était là, ok. Je vais voir comment ce qu'elle donne. Ah d'accord, ouais, ça équivaut le magnum quoi. Il a pas suivi. Ok, je vais récupérer mon pistolet classique, s'il te plaît. Classique mais nouveau aussi, hein, quand même. Classique mais quand même nouveau. Allez. Toi, je t'aurai. Oh putain. Fais chier avec les grenades. Je vous jure, c'est chiant ça. Dans tout le jeu, je pense que tu maudis les grenades, quoi. Il me semble que c'est un peu pareil dans les autres Uncharted. Hein. Au compter. Voilà, meurs. Mais il est bien celui-là aussi. Il est bien celui-là. En plus, il contient plus de munitions. Ah! J'ai échappé au laser. Mais... Oh my god! Ah, mais d'accord, il te tue en une balle! Fallait le dire! J'avais pas compris, moi. D'accord, on reprend de là. Alors, par où on peut? Non! What? Putain, mais c'est pas vrai. Oh, on va pas y arriver. Je vous jure qu'on va pas y arriver. Merde. Garde ton désert, Eagle. Non, mais oh, putain, mais c'est pas vrai! Mais Elena, elle fait n'importe quoi! Attendez, on se reprend. Tranquillou, c'est encore chaud ici. Voilà, meurt. Oh, il est pas mort. Oh, il est presque dead. Hein. Ah, c'est pas possible, la panne, il me tire dessus. Mais ils ont quoi comme balle, eux? Alors, ce qu'il y a de chiant en plus en jeu, c'est qu'on peut pas améliorer notre santé. On n'a pas de trousse de secours. On a rien du tout. C'est ça, en fait, le plus dur. Allez, sort de là. Oui! Voilà, franchement, j'aurais pas pensé. Eh ben si. Allez, alors. Vas-y, reprends-moi mon pistolet classique. Hop, et là. Ok. Mais d'accord, voilà. What the fuck. Ok, je vois à peu près le truc, là. On va garder... Alors, attends, non, on va faire même pire. Je vais garder le désert. Hop, je vais prendre... Écoutez bien, je vais faire un petit trafic. C'est pas grave, hein. Je vais prendre celui-là.
calme. On reprend un peu de vie. Lui, je vais le tuer pareil. Après, je vais reprendre mon dessert, mon dessert, pour tuer les deux autres, là. Les deux affreux. Voilà, là, je vais le reprendre. Pour tuer les deux affreux, comme ça, au moins, je les tuerai en une balle. Ou alors, je pourrais prendre le M4, au pire, qu'est-ce que je m'emmerde, moi. Ouais, des fois, je me demande. Allez, on y va. Je les vois. Vite. Vite. La vache. Nickel. Voilà. Ça, c'est fait. Ah, quel plaisir. Ça fait du bien. J'ai bien fait de prendre mon dessert. Mais en fait, il ne les tue pas en un coup. Donc, le mieux, ça reste quand même le Magnum. Hein. Vous me direz, c'est un petit peu comme dans RE4. Le Magnum, c'était l'arme la plus puissante. Putain, à chaque fois que je parle de RE4, j'ai toujours envie de me refaire le jeu. C'est dingue. Et là, j'ai déjà fait le Let's Play, donc ça ne servira à rien pour vous, parce que je l'ai déjà fait. Alors, je le referai en un petit peu plus mode expert, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup me le refaire. Ce serait énorme, quoi, de se refaire RE4. Mais bon, voilà. C'est un petit peu mon jeu, hein. Le jeu de ma chaîne YouTube, si je puis dire. Mais écoutez, on va garder le dessert. On va le garder. Mais non, je vais prendre l'autre. Pour la simple et bonne raison, déjà, qu'il y a plus de munitions et qu'il a une cadence de tir un peu plus élevée, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, il me semble, hein, d'après ce que j'ai testé. Alors après, le dessert est plus puissant, mais avec moins de cadence de tir. Alors... Je sais, moi aussi. On trouve Sullivan et on se tire d'ici. Moi, j'ai un très mauvais pressentiment. Mais alors, quand je dis très mauvais, maintenant, c'est très très mauvais. Embuscade ! Ils sont où, au juste ? Ouh là là. Ouh là là. Ça s'annonce pas bon du tout, là. Ok, je vois. Ils sont là-bas, ils sont qu'en face. Ça peut aller. T'as déjà eu un snipe là. Ah zut, je vais crever moi. Ah c'est chaud. Ok, il y en a un qui va à gauche là-bas carrément. Ok. Ah merde. Ok. Vois un petit peu le jardin de la maison. Voilà, je l'ai eu. Parfait, on se calme. Ah, lui il est venu jusque là quoi. Laisse ma fille tranquille. C'est ma copine. Non mais oh. C'est ma copine. What? Vite saute. Putain casse-toi merde. Arrête avec tes mises à couvert la noix. Bon, excusez-moi pour les munitions dépensées. Mais là j'étais en stress. Passe 12. Oh putain que c'est bon ça. What? Comme il est pourri. Comparé à l'autre Moss là. Ok, d'accord. Vous voulez jouer comme ça? Bah je vais garder mon passe 12. Hein. Comment ça me saouler les mecs. Ok. Headshot. Il était beau celui-là. Celui-là il était beau. Hein. Voilà, je pense que vous avez rien à dire par rapport à mon shoot. Hein. Oh que c'est chaud. Alors, suivant. Il y en a un en haut. Non. Je n'ai pas vu qui c'est qui m'a tiré au fusil à pompe. Il y en a un qui m'a tiré au fusil à pompe. Parfait, c'est bon. Il est là. Il n'y en a pas un ici, non? Ouais. Voilà, c'est lui qui m'a tiré dessus. Voilà, un de plus. Et ben dis donc. C'est de la boostify. Incroyable. Ah ouais, y'en a un là-haut. Ok. Toi t'es mort. Attention, vous êtes prêts? Voilà. Lui il y est. Reprends le spaz. Est-ce qu'il y en a un ici? Ça va. Ça se fait. Ça se fait plutôt bien même. Non, oula. Attendez, c'est pas fini. Ok. Je voulais aller peut-être un peu trop vite. On va aller de l'autre côté du coup s'il y en a un avec un laser. Hop, on va contourner.
Parfait, et là on va le viser. Ok, il est là-bas. Aïe, ouh, attention. Attention. Non, oula. On se calme. Meurs. Parce que ceux avec les lasers sont très 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 dangereux, quoi. Alors on se méfie. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, oulala. Ok. Oh mon dieu. Comme il dit lui, ok. Ah oui, ils sont là-bas, ok. Ah là, j'aurais un snipe là. Il aurait été beaucoup plus vite. Ok. On va reprendre le M4. Même si, bon, c'est pas mon arme favorite, hein, je vous avouerai. Mais bon. Alors, on rentre dans l'ennemi. C'est bon, apparemment, bon, je les ai quand même pas mal exterminés là. Hein. Depuis tout à l'heure, ça va plutôt bien. Mais je fais gaffe quand même. On sait jamais. On sait jamais, les amis. On n'est jamais assez prudent, j'ai envie de dire. Voilà. Peut-être même trop prudent. Je vais rechanger d'épaule. Voilà. Ah, le space 12. Quoique, ouais, je vais plutôt prendre le space 12. En plus, il y a 10 munitions. Ah, par contre, il y a un peu plus de munitions que l'autre. Ça, c'est bien. Je vais garder celui-là. J'aime bien cette arme. En tout cas, cette arme de poing, elle est bien. Il est là-bas. Merde. Non, mais vous m'avez pas vu. Vous avez mal vu, là. Voilà, toi, t'es mort. Instantanément, je t'avais pas vu, en plus. Ils arrivent, mais ils sont vachement bourrins. Ouais, l'IA est très... est très très agressive, ce qui est pas un mauvais point. Je tiens à bien préciser, c'est pas du tout un mauvais point. Ok, on peut pas monter, hop. Allez, de plateforme en plateforme. Voilà, mix entre action et plateforme, ça j'aime bien. Voilà, c'est purement mon style de jeu. C'est vrai que j'ai toujours aimé la plateforme, je vous avouerai. Qu'est-ce qu'il m'a dit là? Je sais pas ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas du tout ce qu'il m'a dit. Ok, bon, en tout cas, je sais très bien où il fallait aller. Pas besoin que tu me le dises, si c'était ça. Ah oui. Défonce. Voilà. C'est bon, ça. Oh là, je sens que c'est pas fini. On est en haut, là, donc. Alors, je sais pas s'il y aurait un truc là-bas. Alors, attendez. Ah, là, il y avait un ennemi. Ah. Et là-bas, d'accord. Là-bas, c'est la suite. Ok, je vois. C'est la suite. Donc, à mon avis, la suite des ennuis va aller en face, juste pour voir ce qu'il y a. Il doit y avoir un petit trésor, non? 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 Alors, pourquoi ils ont fait une plateforme ici? Juste pour les ennemis, alors. Juste pour leur permettre de rester debout. Ok. Ça sent le secret. Je sais pas pourquoi ça sent le secret. Non. Il n'y a pas de secret ici, Galax. Arrête ta mytho. Hop. Nickel. Non, attention, attention! Je suis tombé? C'était fait exprès ou pas? Oui, je crois qu'on n'est jamais allé ici. On dirait un baobab. Ok. C'était assez vite, c'est pour ça que j'étais assez surpris. Je m'attendais à un truc. À une arène. Hein. Putain, c'est vrai qu'il faut rester appuyé sur triangle là. C'est chaud! Allez, encore. Pourquoi? Ça veut pas? Tac, 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 tac. Ça peut pas ouvrir. Ah non. Tac 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 tac. Je comprends pas. Allez, ouvre-moi ça, bon dieu. Ah, ça veut pas l'ouvrir. Non, non, on peut pas l'ouvrir. Je sais pas, pourtant... Y a un secret... Non, non, d'accord, c'est des munitions. Je peux pas l'ouvrir, les amis. Alors, est-ce que c'est fait exprès? C'est possible. Mais en tout cas, je ne peux pas l'ouvrir. Et là, il y a un secret. Voilà, croix en argent, orné de pierre. Il me semblait aussi, il me semblait qu'il y avait un truc, un ch'ti trésor. Je l'attendais. Donc comment? C'est quoi? C'est un bug ou... J'espère que c'est pas un bug qui m'empêchera de faire la suite du jeu quand même. Hein. Parce que là... Commence. Ah ouais, mais non, mais regardez, je fais... J'arrive pas. Tac, 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 tac. Ah, tac, tac. Non, non, mais ça veut pas s'ouvrir. Ça veut... Faudrait un truc pour ralentir le temps, en fait. Non, on peut pas. C'est pas possible. Alors, faut trouver un moyen de remonter. Je... C'est sûr qu'on peut pas. Hein. Sinon, sinon, je serais déjà monté, quoi. Bah, ça rame, ici, bordel. Je pense qu'on est tombé dans une zone...
bizarre. Ouais, et le problème c'est que je ne sais pas par où remonter. Ça, c'est le truc assez drôle aussi. Alors, L2 indice, putain, non. Ouais, tirer dans les barils. Les barils? J'ai pas vu qu'il y avait des barils. Ah, les barils là. Ok. Attendez. Peut-être qu'Elena pourrait venir m'aider, c'est ça, non? Peut-être qu'Elena pourrait venir m'aider. Bien joué, mais merci. Et t'es où, Elena? Elena. Je ne vois pas Elena. Alors peut-être qu'on ne pouvait tout simplement pas ouvrir la porte tant qu'Elena n'était pas là. Ce qui est un petit peu ridicule, vu que je suppose qu'elle va pas nous aider. Si? Non, elle va passer. Elle va maintenir la porte, c'est ça? Là, je vais tenir ça pendant que tu tiens la porte ouverte. Ah, voilà. C'était ça, donc forcément, fallait une deuxième personne. C'était logique, mais oui, c'était très logique. Je vous l'avoue, en direct, je vous l'avoue. Allez. T'es prêt? Ouais. Bon, tu peux lâcher. Doucement. Putain, mais hello. Je dis doucement. Mais elle est un petit peu pressée, ça reste une femme, écoutez, ça reste une femme. Oula. Oula. Alors, avec des armes en plus à disposition, ça sent pas bon du tout. Clairement pas. Merde! Oh merde. Quoi ici? Y'a quoi comme arme? Sniper, yes! Nickel. Il est où le. D'accord, je le vois, je l'ai vu. Nickel. Non! Attention, les amis. Là. Oula, poupoulala! C'était d'un magnifique ça! On n'avait jamais vu ça avant. Oh, et celui-là encore. Je sais, je suis très bon au sniper. Je le sais. Boum. En même temps, c'est pas dur. Tant que tu leur shootes dedans, y a pas de difficulté. Allez, on va se déplacer là-bas. Allez. Je vais cramer. Il y a quelqu'un là-bas qui m'embête en fait. C'est ça le truc. Il est où l'autre. L'autre là. Ah putain. Je rêve. Allez, viens là, sors de là. Voilà. Toi t'y es. Et qu'est-ce qu'il fait lui? What? Eh, je suis là mec. Il m'a pas vu ou quoi? Il m'avait pas vu je crois. Attendez. Vite cours. Vas-y, est-ce que je le cible là? Juste que je le cibre. Voilà. J'ai eu le laser. Donc là on va reprendre le space 12. Tout n'est que gestion d'armes et de munitions les amis. C'est le jeu vraiment qui porte sur ça. Oh putain. Je sais pas où il est l'autre. C'est qui m'a lancé ça? Et il est là-bas. Okay. Oh putain. Vache. Je le vois, je l'ai vu. Ok, je crois que je l'ai eu, je ne suis pas sûr. Vite, mets-toi couvert. Ah! Non, j'avais bien commencé la scène en plus. Ah non, j'étais bien là. Ah, je suis déçu. Là, j'étais bien en plus. Je me suis dit, ça va passer tranquille. Et puis, non. Penses-tu? Oh là là. Donc là, là, pareil. On va prendre. Comme on a fait tout à l'heure. Ok, il est en haut, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà. Bon. Voilà. N'oublions pas de garder une balle pour lui. Voilà, on connaît maintenant. Et une balle pour lui. Voilà, et il me reste un shoot. Oula, attention. Et il me reste un shoot pour une personne. Une personne, qui veut le shoot? Lui par exemple. Voilà, et maintenant je vais rechoper mon space 12. Nichel Schrom. Ah, je vais me faire cela. Salut mec. T'as dit de repasser en épaule droite par contre. Ça me plaît pas, moi, l'épaule gauche. Je sais pas pourquoi j'ai un peu de mal avec l'épaule gauche. Hop.
Attention, oula. Putain, mais il te fonce dans le tas, quoi. What the fuck. C'est énorme. Allez, nickel. Alors, attention. Ça va débarquer, à mon avis. Non, c'est bon. Ça va me débarquer un coup. Un petit coup. Oh, les mecs. Ah. J'ai dit un coup, hein, pas... Vite, casse-toi. Non, pas là. Ici. C'est quoi, ces balles? Non, mais casse-toi, putain, mais mets-toi à couvert. Mais ça m'énerve. Il se met pas à couvert. Il se met pas à couvert, je vous jure. Putain, mais c'est dingue. Oh, mon Dieu, mais les déplacements de Drake, des fois, mais tu te demandes comment il fait, quoi. C'est incroyablement nul. Il meurt. Attendez, je vais m'occuper direct de l'autre, là-bas. Il va pas me saouler longtemps. Au moins, il va pas me saouler avec son laser. On le connaît. Alors ensuite, on a celui-là au fond. Non. J'avais fait un shoot parfait avant. Voilà, et pas là. Du coup, je crois qu'il y en a un ici, non? Elle l'a tué, je crois. Il y en a un là-bas. Il sort de là. On tente le coup. Allez, raté. Raté, 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 mon grand, raté. Voilà, attention, il y a des gens. Mets-toi à couvert, mais putain, mais c'est pas bon. Ah, c'est n'importe quoi, il se déplace n'importe où. Il se déplace n'importe où. Voilà. On l'a eu. Bon, maintenant, on s'arrête un peu parce qu'on sait que la suite est difficile. On le sait. Donc, on reprend les munes. S'il vous plaît. Ouh là 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 là. Concentration. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pas grand-chose. Ici. Pour l'instant, j'ai fusil à pompe passe 12. Et le pistolet normal. Donc, tout va bien jusqu'à maintenant. Et voilà, là, on va faire gaffe. Voilà, je vais pas recrever. Oh mon Dieu. C'est ouf. Et il est là, il y a des nains. Oh putain. Oh, attendez. Ah mais d'accord. Oh my god. C'est lui là-bas, c'est lui. Attention. Putain. Bordel de merde. C'est pas... Oh, il a... Oh, non. Il vient d'où, lui? Mais non. Mais j'y crois pas. Mais non. Mais comment voulez-vous savoir qu'il y en a de partout? Oh, merde. J'y crois pas, quoi. C'est pas imaginable, ça. Ah, non. Attends, gardons quand même la balle pour l'autre là-bas. Ouais. Merde. Mais qu'est-ce qu'il fait, Drake? Putain, il déconne quand même dans ses déplacements. Hein. Il déconne pas mal, quoi. Je sais pas où aller la grenade. Quoi? Passe en épaule droite, parce que ça va m'embêter jusqu'au bout. Putain, mais c'est pas vrai. Ils sont complètement tarés. Hein. Alors l'IA, je suis bien d'accord que c'est bien que ce soit agressif. Hein. Mais là, là, c'est complètement... Ils ont pas de cerveau, quoi. Là, c'est débile, quand même. Hein. Là, je vous jure que c'est débile. Alors... Super dur. En même temps, je balance pas de grenade. J'utilise pas tout l'espace que le jeu me propose. Ok. Je vois. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. Merde, 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 merde. Oh putain. Oh putain, vache.
Voilà, nickel. Ça commence bien. Non. D'accord, il me vise de là-bas. Alors. Personne à gauche. Meurs. Je t'ai eu. Un de plus. Attention à ceux qui débarquent ici. C'est bon. Apparemment, c'est ça s'est fait. Bibliothèque. Wouh. Bon, inutile de passer par la grande porte. Cherchons un autre moyen d'entrer. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ok. Ça fait du bien, les amis. Je vous dis même pas comme je suis rassuré quand je termine une scène dans ce jeu. C'est énorme. Franchement, c'est incroyablement dur, quoi. Alors, on va pas passer par la grande porte, du coup, comme ils l'ont dit. On va prendre par le côté, peut-être. Peut-être par ici. Et oui, il y a une ouverture. Et oui, Galaxou. Et oui. Hop. Et voilà. C'était pas dur. Travailler dans un petit bar aux Philippines. Oh, mec. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Mais je te jure, cette fille, elle pouvait aussi bien te planter un poignard dans le dos. C'était un petit bout de femme. Elle était grande comme rien du tout. On l'appelait la toupie, ouais, à cause de... Tu vas la fermer, ça fait 10 fois que tu nous répètes la même chose. Ouais, c'est vrai. T'as raison, ma mémoire est plus qu'elle était. Pourquoi ça te prend autant de temps d'abord? T'as peut-être pas remarqué, mais tous ces bouquins, ils sont à moitié pourris. Et écrits en espagnol. Ouais, bah mind-toi, hein. Le chef, il a pas que ça à faire. Hé hey, là-haut! Oh, merde. Et c'est parti! Enfin, du coup, c'est reparti. Par contre, on voit rien du tout. On ne voit rien du tout. Ah, mais t'es là, toi? Ah non, c'est... Elle est avec moi, ok. Oh, merde. Attention! Je vais crever, c'est sûr. C'est sûr que je vais crever. C'est impossible! Attention! En bas. La vache. Voilà, faut les faire étape par étape, hein. Non, fallait pas rester devant le laser, Galax. Fallait pas rester devant le laser. What the fuck? Il y a une arme là-bas. Il y a une arme là. C'est pas une arme, c'était juste des munes. Putain, il est pas mort, mais je rêve. Vite. On fait le tour. Dingue. Voilà, on se calme. On a fait le tour déjà tout en haut, on a fait le tour. C'est quand même énorme. Putain, mais j'y crois pas, quoi. Ils ont un blindage. Non. Là. Ok, je préfère. Suivant. Ou plutôt suivante. On l'a eu. Ok, l'important c'est de bien pivoter entre les plateformes. Ils sont où? Passant en épaule droite. Je vais pas descendre, hein. Je vais les tuer véritablement et je vais rester en haut. Hein. Donc les mecs, vous avez intérêt de vous, hein, vous montrer. Là-bas. Voilà. Je préfère. Enfin. Il était temps que tu te pointes. Eh ben, t'as l'air plutôt en forme pour un mort. Alors t'as quand même ramené la fille, hein? La fille? Eh, si elle avait pas été là, personne serait venu te récupérer, tu sais. Si on peut parler de sauvetage. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois reconnaître, Sully, que tout ça, c'est un peu louche. Ouais. Tu vois, toi, tu rencardes ces gars. Et vous réapparaissez miraculeusement vivant. Non mais attendez un peu, là. Roman a mis un contrat sur ma tête. J'étais bien obligé de gagner du temps. D'accord, c'était une erreur. J'avais pas pensé qu'ils essaieraient de nous suivre. Sully, on sera en train de rentrer à la maison avec le trésor si, pour une fois, t'avais su tenir ta langue. Et toi, t'aurais pu regarder mon pouls avant de t'enfuir et de me laisser pour mort.
Bah, ça a plus d'importance maintenant. Très bien. Alors comment ça se fait que vous soyez sains et saufs, hein? Je vous jure que vous allez pas le croire. Pas possible. Ce vieux Francis a pris cette balle pour toi. Ouais. Je croyais que ce genre de truc arrivait que dans les films. Ouais, bah ça me fait encore un de ces mal, je vous raconte. Je me doute. Bref, une fois qu'ils ont vu que j'étais pas mort, j'ai convaincu Roman qu'il trouverait jamais le trésor sans mon aide. Alors depuis, j'ai essayé de les mener sur une fausse piste, tout ça en attendant que vous veniez. Alors où est-ce qu'ils sont, là? Eh ben, ils suivent la fausse piste que je leur ai préparée, de l'autre côté du monastère, bien à l'écart. Regarde. Drake avait tout prévu. Tu vois le symbole que les Espagnols utilisaient pour indiquer leur salle secrète? Le trésor est caché juste là, dans ce monastère. Trouvons le symbole... Et on trouve la salle, ouais. On a absolument tout ce qu'il faut, juste ici. Tous les indices qui nous mèneront droit au trésor. On va y arriver, petit. Ok. Les gars, vous n'allez pas encore faire les gentils et laisser la fille derrière, hein? N'y pense même pas à céder. Elle a un méchant crochet droit. Je vais essayer de m'en rappeler. Et oui, ça, on en a fait expérience. Peut-être ça, elle recèle bien des secrets, j'en suis sûr. Ok, L2. Ses statuts sont étranges. C'est vrai. Bref, Select. Qu'est-ce qu'on va regarder là-dedans? Ah oui, une place avec Léa, avec les statues, etc. Bref, bah écoutez, amis, on va cesser là, nous, ça fait déjà 57 minutes de vidéo. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cet épisode numéro 7 du Let's Play de Uncharted Drake's Fortune. On se retrouvera la prochaine fois. Et apparemment, les amis, on a une petite énigme ici qui se présente à nous. Portez-vous bien, les amis, vive les jeux vidéo et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.